C'est ton mode préféré, ça? Ouais, le mode cochon, oui. T'es-tu actif, c'est ensuite sexuellement ou. Ouais, je suis actif pareil, j'ai des amants, des avoirs de même, là, je reste actif. J'aime bien le sexe, moi j'aime les petites vites. C'est pour ça qu'avec tous mes clients, je faisais des petites vites. J'aime les petites vites. Ça dure 5 minutes, 10 minutes. Tu sais ce que j'aime, j'ai fait ça toute ma vie. Fait que quand j'ai un amant, il faut que j'aime les petites vites. Fais pas l'amour pendant des heures, là. Selon toi, est-ce que la fille doit toujours venir dans une relation sexuelle? Ben non, pas obligé. Elle a des jouissances continues. Fait que même si elle jouit pas, elle a des jouissances. Ouais. Elle a des jouissances du vagin, elle a des jouissances du clito. Elle n'a pas toujours obligé de venir. Ah, c'est vrai, ça. Ah ouais, ouais, hein. Jouissance continue, tout ça, je tenais. Ouais, c'est ça, nous autres, il y a une place qu'on peut ouais. venir, c'est tout, c'est les plans. Ben ouais. Des fois, j'aimerais ça être une fille, hostie, pis comme, essayer, c'est quoi le feeling, tabarnak? Toi, c'est. Ouais, c'est ça, je serais curieux, man, ouais, j'essaierais. C'est des jouissances, bref, d'où tu viens, c'est des petites jouissances. Fait que vu que t'aimes ça vite, t'aimes-tu les préliminaires ou fuck les non, fois. J'aime pas me faire manger, moi. Quand je me fais manger, je viens en 30 secondes. Ah, okay. T'aimes pas ça, ça? J'aime pas ça. Je viens en 30 secondes, c'est fini. Tu penses que ça te tente plus après? Ça me tente plus après. Okay. Ça me tente plus baiser non plus après. Un coup, je suis venu quotidiennement. Je veux plus venir. OK. Ben, j'ai un gros clito, mais j'ai toujours un gros. Moi, je suis hermaphrodite. Je suis mi-homme, mi-femme. J'ai un pénis, pas un vagin. Ah, oh, ouais? Oh, ouais. J'ai un petit pénis, il est ça de long. J'ai un gros clito, dans le fond. Guylaine, t'as un plus gros bat que moi. Ouais. Ouais. Toi, je suis macho de même. Ça. OK. OK. De rien que c'est ta petite bière, arrête-moi. Mais parce que testostérone, c'est des stéroïdes, tu vois? Des stéroïdes, tu prends des stéroïdes à tous les 3 semaines. OK. Elle me pique des épaules. OK. OK. Puis c'est toi qui veux ça ou t'as besoin de ça? J'ai besoin de ça, puis je veux ça. Okay. Fait que c'est pour ça que Guylaine, elle se considère aussi une femme, tu sais, mais elle se considère aussi comme un homme. Un homme, moi je suis hermaphrodite, mi-homme, okay. mi-femme, je suis un homme. Mais j'ai vraiment un gros clito, là, ça a l'air d'un pénis. Genre, il est long de même pour vrai? Il est long de même, pis gros de même. Ok, t'as vraiment un plus gros bat que moi. Mais le clito, il a pas poussé, il a toujours été de même. Oh. J'étais une graine. Quand je suis venu au monde, le médecin a demandé « It's a boy! » Et ça, il a dit « It's a girl! » T'as-tu des relations sexuelles avec des filles? Des transsexuels, j'en ai souvent. Ah, oh, OK. Des trans, des homosexuels. Ça okay. tourne pas mal autour de ça. Ou ben non, des gros machos qui aiment les transsexuels. Parce que je suis considéré comme une transsexuelle. OK. OK. C'était comment? Question qui tue. C'était comment accoucher avec Rick Hard? C'était de la merde. Bon, c'est des scènes. 5 minutes t'es de baisse, 10 minutes t'es arrêté, 5 minutes t'es de baisse, 10 minutes t'es arrêté. C'est pas comme une vraie baisse dans le fond, là. Ben non, c'est de la merde, là, c'est du cinéma. Ouais, c'est ça. T'entends de la jouissance tout le long, c'est pas toi qui jouis, c'est une jouissance préenregistrée. Pour vrai? Ben ouais. Ah, ouais. OK, fait qu'il y a rien de le fun, là, vraiment, c'est de la ting, là. C'était pour le cash, c'est tout, tu jouis pas. Comme lui, quand il dit qu'il me rendait pas, j'ai-tu joué, moi, Chris de Cal? Il bandait, il a bandé tout le long, il a bandé 8 heures. 8 heures, tabarnak. J'imagine être 8 heures bandé. Mettons toi, là, qui a un gros clitoris, tu prends du Viagra, tu bandes. Je bande. OK. J'ai dit à Gaël, il me croyait pas, j'ai envoyé 3-4 photos, pis tu vois-tu, je vois pas de différence. Tu vois un gros pénis, as-tu un plus gros ventre que toi aussi? Ouais. La dernière photo que je t'ai envoyée, tu vois un pénis bien comme moi, faut. Moi, je l'ai vu. Ça a vraiment la forme d'un pénis, là. Ouais. Ah, ouais. Puis, sur ton OnlyFans, est-ce que tu te montres 100% tout nu? Ouais, je me montre 100% tout nu avec du poil sans poil. Parce que j'ai essayé du poil, ça faisait un mois à peu près que j'avais du poil. C'est complètement dégueulasse, fait que je vais l'éraser. OK. Je fais des tests avec sans poils. Ouais. Comme j'ai les poils d'un chinois, j'ai rasé ça. Ça frise même pas, c'est raide. Ah ouais. On est fan des textants, là. On fait des bons concepts et tout, là. J'avais une vidéo de moi.
Tu en es fine. Okay. Je parle du vibrateur de Rock. Tu penses-tu à The Rock? Ah, c'est sûr. Ouais, c'est ouais, mon c'est fantasme, ça, c'est ça, c'est sûr. Je me masturbais souvent sur The Rock, mais là, j'ai arrêté. J'ai dit, je dois pas aimer ça. Tu as déjà pogné un semblant de The Rock? Ouais, plein. Mon ancien amant, Bruno, c'était The Rock en personne. OK. Je pogne des gros machos, moi. Je trouve ça, je pogne, là. Tu penses-tu tomber amoureuse un jour ou c'est déterminé? Non, je suis pas en amour. L'amour n'est qu'une phrase. Quand tu n'entendras plus sa phrase, tu seras plus en amour. Qui là, est juste en amour avec Papa Gaël. Hey, Papa Gaël, c'est mon fils, je suis pédophile. T'as-tu déjà été en couple? J'ai déjà été en couple pendant une couple d'années. J'ai eu deux enfants. T'as deux enfants? Ouais. Oh, ouais. Ça paraît pas nulle part, là. J'ai même les boules refaites. Fait que les enfants, ça paraît pas. Faut que je le dise que le monde ne savent. T'es bois-tu de temps en temps tes enfants? Ou... Ouais, je pourrais te voir Nicolas bientôt. Il s'en va étudier au Saguenay-Lac-Saint-Jean là, comme garde forestier. Oh ouais. OK. Puis ils ont quel âge tes enfants? 30 ans puis 26 ans. Patrick, je l'ai eu à 16 ans, puis Nicolas, je l'ai eu à 21. OK. OK. Puis ils ont pas le même père? Non. Guylaine, est-ce que si tu vois quelqu'un dans la rue, est-ce que tu peux y parler? Ouais. Pour la vidéo? Guylaine est d'âme de toute part. Ouais, c'est ça qui est cool. J'étais game à l'école et tout. T'étais-tu une hot à l'école? Ouais, j'étais dans game. Cool. Ouais, j'étais dans le cool. C'est sûr cool, t'étais dans game. Moi, ouais, j'étais pas mal cool à l'école. C'est sûr t'étais c'est dans moi game. Qui allais porter la pomme au prof. Ouais, ah ouais. Okay. Ben ouais, avec un épingle dedans. OK, OK. C'est un attrape dans le fond, là. Ah ouais? OK, OK, OK. C'est pas une vraie bonne pomme, là. C'était... Non. OK, elle est truquée, la pomme, là. Puis je mettais de la craie, là, sur les bancs des étudiants. Quand tu s'assises, tu sors le bain, tu es plein de craie. Tu faisais tout le temps ça. Qu'est-ce que tu manges, toi, dans la vie? Du steak, surtout, du poulet. Beaucoup de protéines. Je mange du steak. Je mange du poulet pour les fibres blanches, les fibres d'oxygène. Puis je mange le steak pour les fibres de force. Fait que j'essaie de construire mon muscle des deux fibres. T'es-tu des fruits et légumes ou c'est pas ton verre? Non, je prends des multivitamines à la place. Okay. Au lieu de manger des fruits et des légumes, je prends mes vitamines. OK. Puis est-ce que t'as déjà fait du culturisme avec le gym? Ouais, ouais. J'ai fait du culturisme avant. Avant, j'étais culturiste. Fitness. J'étais fitness. Ouais. OK, OK. J'ai toujours voulu faire ça, puis finalement, j'avais comme trop peur de me lancer là-dedans. C'était-tu cool? C'est cool, c'est ouais. Impressionnant. Mais faut que tu penses à une affaire. Quand tu fais du culturisme, le muscle que tu développes va être difficile à fond. Mais tu veux le pit musclé, ça va te prendre 15-20 ans à perdre ta masse musculaire. Oh mon Dieu, OK. Parce que le muscle, c'est pas comme du gros, ça fond pas facilement. Non, c'est ça, OK, OK, OK. Mais si tu as pensé si bien, tu veux devenir musclé comme de rock, qui resterait beau de même toute ta vie, OK. Mais si c'est juste un kick, fais pas ça. Tu vas le regretter. T'as vraiment un crush sur The Rock, toi, là. C'est fou. Ça fait longtemps que tu y penses à ton The Rock, hein? Mais c'est pour moi 40 ans. Il y a mon âge. Il est venu au monde en 1972 au mois de mai. Oh, OK. Puis moi, je suis venu au monde en 1972 au mois de décembre. OK, top. Hey, salut tout le monde! Connaissez-vous Guylaine Gagnon? Leur face, ils ont fait... Ah, oh, pour vrai? Ah, ouais. Un autre shot. Hey, connaissez-vous Guylaine Gagnon? Leur face, ça vaut de l'or, man. Tout le monde reconnaît Guylaine. Salut! Salut! Ça va? Bien sûr! Ça va, Guylaine? Ça va bien, vous autres? Dans le set ensemble! Yeah, gang! Yeah. Tabarnak! Vraiment la Britney Spears du Québec, hein? Je pense que c'est ah ça. Ah ouais, je suis vraiment la Britney Spears. Bradley, toi, vous êtes toi, moi, je suis au Québec. Hey, salut, c'est moi, je pensais que c'était un hippie, tabarnak! Hey, le chien, t'es bien beau, j'ai envie de me prendre du sucer! T'es un féministe, toi? J'aurais, moins que toi. Mais j'ai quand même 127 000 abonnés sur YouTube. C'est bon. Ouais, c'est pas pire. C'est bon, moi sur YouTube, j'en ai dans ces alentours-là.